C'est à partir de 1976 que la ville a dit clairement qu'elle voulait une animation socioculturelle qui soit répartie dans les différents endroits, avec une fédération à l'époque qui puisse lier les centres entre eux pour qu'il y ait aussi une vision d'ensemble et une manière de le développer. En 1976, il y avait 10 centres. Aujourd'hui, il y en a 17. À l'époque, ils constataient qu'il y avait un manque, notamment sous Gare et à l'ouest lausannois. Du coup, je suppose que c'est aussi pour ça qu'il y a maintenant une maison de quartier sous Gare et qu'il y a un centre socioculturel à la Bourdonnette. Avec du coup un lieu qui est aussi important, qui a symboliquement, me semble, bien montré son rôle, qui est un peu entre la place centrale, l'école, la garderie, qui arrive à lier les publics, à lier les générations, et qu'il fait en réinterprétant cette tâche au jour le jour, au quotidien. De détecter le contour et puis on vectorise et on a le trait, le chemin que doit parcourir le crayon pour refaire le dessin. Et on transforme ce format numérique de la transformation en code pour les deux moteurs pour qu'ils tirent les ficelles de manière correcte et que le dessin se reproduise.
On peut quand même souhaiter un très joyeux anniversaire au Centre culturel de la Bourdeau, s'il vous plaît. On les applaudit très fort, ils sont là tous les jours pour vous. On leur fait du bruit pour eux, ils le méritent. J'ai été étonné d'être invité ici pour venir jouer à la Bourdonnette, parce que je ne suis pas du tout du coin, même si pendant 3 ans j'ai passé beaucoup de temps à la Bourdonnette, dans le métro en attendant que l'autre arrive. Donc c'est vraiment cool de revenir un peu au pays, c'est cool. On est d'accord que le quartier, en tout cas pour les gens qui ne le connaissent pas, il n'a pas forcément très bonne réputation, d'accord ? Mais ça c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc je veux que ce soir, jusqu'à Lausanne, la Pontaise, on vous entende. Est-ce que la Bourdeau, c'est le plus beau quartier de Lausanne ?